Voilà, l'auberge de jeunesse, c'est fini. Je suis avec... Jing. Yes. Et il va déjeuner au Sensoji. C'est un étudiant en informatique. Let's go to Senso. Sensoji. Take a bus? Train? Train or walk? What do you prefer? Maybe train? Allez, let's go to the train. Yeah. C'est cool, hein? Il m'accompagne jusqu'au temple. Il m'a dit on peut déjeuner là-bas. Alors tu vois, des rencontres comme ça, je les ai faites dans l'auberge de jeunesse où j'étais tout à l'heure. Are you happy? Happy, cool. You're happy. Yeah, happy, you are happy. Yeah. France. I live in France. Oh. In Paris. In Paris? It's very beautiful. I live in Paris. Country. Yeah. You know Paris? Yes, Paris. I don't go to... Never go to Paris, but... Yes. But I want to go to Paris. It's very... restaurants are beautiful and the place... eat French restaurant, French food. Uh-huh. And the girl. French girl. No? No. Why not? Hein, petit coquin, va. What is your dream in your life? It's so deep. It's very difficult. Job. Yes. The family. Family. The money. Money or money? No. Luck. You prefer the money or love? Yes. The money or love? Love. You prefer love? Yes. It's very. Yeah. Yes. To have a. I have a love is. Very happy. You don't have a girlfriend? Sure? Yeah. Little girlfriend? No? You don't have just a little girlfriend? Little girlfriend? Yeah. Yeah. No? Yes. Ah, tu vois, on y arrive, il a une petite coupe. Une petite coupe. You just défaité. Des bisous comme ça. C'est ça? Non? Non? Des petits bisous. Non? Non. Des petites caresses comme ça. Non, non, bon. Pas de caresse non plus, alors c'est dommage. Okay, train is coming. The train is coming. Eh ben j'ai gagné un temps fou, j'ai peut-être gagné 20 minutes de marche avec le sac à dos. Donc ça c'est cool. Et en plus je me suis fait un pote. For the breakfast you take what in Japan? Rice. Or bread. Bread, rice. Bread, rice. Maybe Du pain et du riz. Rice and bread. Yes. You take a breakfast with me? Yeah? Really? Let's go. You take a breakfast? Okay. Let's go. Alors ici à Tokyo, on mange peut-être du riz avec du pain, mais moi j'aime bien les melon pan. Alors du coup, j'ai vu un magasin melon pan, j'ai dit hey, je les connaissais pas avec la crème moi. Yes. Arigato. Yeah. Allez, kanpai. Kanpai. I prefer this of a rice in the morning. Yeah. No? You prefer rice? It's very nice too. You prefer the rice? I'm Japanese, maybe because I'm Japanese. For breakfast, you prefer melon pan or rice? Rice. Ah, il préfère quand même le riz, hein, on n'y arrivera pas. Bon, c'est pas grave, on aurait essayé de le faire changer d'avis avec la pâtisserie, mais non, ça marche pas. Allez, aujourd'hui, je vous emmène au temple Sensoji, le plus important et le plus ancien temple bouddhiste du Japon. Et là, nous sommes devant la Kaminamiron. C'est la porte du tonnerre. Et une fois qu'on passe la porte, on se retrouve dans Nakamise Street. C'est une rue bordée des shops où on trouve que des produits traditionnels japonais et des souvenirs. Comme vous pouvez
pouvez l'apercevoir, la foule est compacte. Nous sommes dimanche après-midi et je pense que tous les Japonais viennent ici pour passer l'après-midi. Donc là on est arrivé au bout de la rue Nakamise et on se trouve devant donc une autre porte. Là me voici devant la porte aux trois lanternes, mais on appelle aussi cette porte la porte de la salle au trésor. Alors ce que vous voyez ici là, c'est un chochin, c'est une lanterne en papier, elle mesure 3,50 m de circonférence, elle pèse 670 kg. Et la structure métallique qui est en dessous là, elle renferme un dragon, une sorte de dessin de dragon en dessous, et quand tu la touches et que tu fais un vœu, il est censé se réaliser. C'est fait. La porte aux trois lanternes passée, on se trouve ici devant la pagode à 5 étages qui mesure 64 mètres de haut. Elle est juste immense. Alors les Japonais sont très 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 superstitieux, vous allez voir. Et il y a plein de petites choses dans ce temple qui nous le rappellent. Hein. Alors tout d'abord, ils déposent une petite pièce dans la fente qui est ici. Ensuite, elle secoue cette boîte. À l'intérieur de laquelle il y a un bâtonnet. Alors, il y a un petit bâton avec un numéro qui tombe. Elle le prend, elle regarde le numéro dessus. Elle remet le bâtonnet dans la boîte. Elle ouvre la boîte, elle prend un petit papier. Et sur le papier, il y a écrit si son dieu à elle lui prête joie de vivre ou malheur. Good. Good. Ouais, apparemment, c'est très très bon pour elle. Elle est super contente. Alors par contre, si le papier il est pas bien, s'il y a écrit qu'il va t'arriver que des problèmes, ils viennent attacher le papier ici, en espérant que le sort il reste bien attaché ici et qu'il s'en aille pas ailleurs. Apparemment elle n'a pas tiré le bon papier. Moi j'ai tiré un papier, il y a écrit Best Fortune. Donc là ils sont en train de me dire que je vais être blindé là, tu vois. Ça c'est le papier qui me dit que ça va décoller dans ma vie là, tu vois. I have taken the paper but I don't know if it's good or it's not good. It's very good. Very good. Very, very good. Very, very, very. Very, very, very. The most. C'est le best of the best. Yes. Best. Takite. Takite. Top. Top of the top. Yes. All right. Very good. Thank you so much. Okay. Arigato. Eh, elle est pas belle la vie? Elle a dit c'est le best of the best, hein, c'est le meilleur ticket, tu peux pas tirer mieux mon pote. Ah, ça fait plaisir, ah, ma journée elle est bien là. Quand je vous disais que les Japonais étaient très croyants, ici au milieu de la place ils prônent un espèce de gros brûleur énorme à l'intérieur duquel les Japonais viennent mettre de l'encens. Et en fait ils s'attirent sur eux la fumée et il est dit que si t'as une partie du corps qui te fait mal, il te suffit de t'envoyer cette fumée sur cette partie de ton corps. Et du coup, ça te soigne immédiatement. Alors, mythe ou réalité, pour l'instant, j'ai mal nulle part, à part aux jambes, mais je vais pas aller mettre mes pieds dans le brûleur. Hein. Je crois que j'ai un petit peu mal au dos avec le sac. Je crois que si je fais ça sur mon dos, ça va aller. C'est parti, ça va être la fumée sur le dos. Ah ouais. Ah, ça va beaucoup mieux là. Oh putain, mon sac est tout léger. Dans le temple de la déesse de la miséricorde. You trust in God? One God or more God? Ah, you think in more God? Yeah. I'm Buddhist. You are Buddhist. Yeah. Your family is Buddhist? Oh, yes. Yes. Jin, il s'en va, mon pote Jin s'en va, il retourne à l'école. Thank you, Jin, for Thank this day. Thank you. God bless you. God bless you. God bless Japan.
Thank you so much, my friend. Voilà, ça c'est des belles rencontres qu'on peut faire, tu vois, quand on se balade tout seul avec son sac à dos. On peut tomber sur des mecs comme Jean, bah, qui n'hésitent pas à vous accompagner et à vous emmener, comme par exemple aujourd'hui au Thompson Soji. Salut Jean. Thank you. Bienvenue à Tokyo. Alors voilà, ma visite du Thompson Soji, ça se termine. Il faut savoir que le Thompson Soji, c'est une activité que vous pouvez faire ici à Tokyo et qui est totalement gratuite. Donc ça, c'est les bons plans gratuits. Ce qui est sympa, c'est de venir ici le week-end parce que vous aurez la possibilité de voir des Japonais habillés en tenue traditionnelle, hein, les kimonos, les femmes, regardez. Et en plus, elles sont super sympas. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le rouge, tu sais pas ce que ça veut dire. Et puis, surtout, tu t'abonnes à mes vidéos. Comme ça, la prochaine fois que je pars en voyage, je t'emmène avec moi dans mon sac. Et maintenant, je vous emmène voir les pandas ou le panda. Je ne sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a qu'un. Pour être sûr de voir un panda en captivité, il faut parfois attendre tes sœurs avant qu'ils ne se présentent. Comme vous pouvez le voir, la cage est vide. Et pourtant, le panda est bien là. Il se promène, il se balade, tout sauf devant nos yeux. Il faut être patient. J'attendrai pendant des heures s'il faut pour vous montrer le panda du Japon. Par exemple, ce monsieur et sa femme à côté de moi, ils sont là depuis ce matin 9h, il est 15h. C'est pour vous donner une idée. Madame est fatiguée, monsieur attend avec son téléphone. Le panda est un animal relou. Il aime bien faire galérer les gens. Bon, le parc ferme dans une demi-heure et franchement, je suis vraiment venu ici juste pour le panda. Je ne lâcherai pas. J'attendrai pour vous, public. Mais viens, petit panda, s'il te plaît, viens. Petit panda, ah, il est là, regardez. Ah bah, il se barre, lui, carrément. Comment ça, bye-bye? Attendez, je suis quand même venu pour lui, quoi. Pour la saison 2, j'ai tout donné, hein. Ça fait 3 heures que j'attends. Et ben vous l'avez vu le panda, il est comme moi, il est là. Et ben voilà, même les pandas, je te les ai montrés. J'ai été jusqu'au bout dans cette saison 2. Jusqu'au bout. J'ai entendu crier de loin, ça gueule. Je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. Ah, ils ont fait un sacré pique-nique, eux. Vietnam, ah, vous êtes des Vietnamiens. Nihongo. Je sais pas. Ah, France. Paris. Hello. Hello. Bonsoir. What's your name? Tariq. Voilà, my name is Tian. How are you? Fine. And you, what's your name? Dennis. Dan. And you live in Tokyo? Tokyo. Okay. Vietnam people. Okay. Vietnam. Thank you. Everybody is Vietnam. Hi. Français. Français, yes. Français. Paris. 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 Ouais. Bon, il a réussi, mon gars. Yeah. Bon, il veut que j'essaye, alors je vais essayer. Hein. Je vois pas pourquoi j'essaierai pas. Hey, j'ai tout donné pour la saison 2 de cette année. Yeah.
j'ai essayé, j'ai participé, hein, c'est essentiel. Ok. Arigato, arigato. Bon, voilà, hein, j'ai joué le jeu. C'est des Vietnamiens, apparemment. Je sais pas, ils sont en train de faire la fête ici, c'est cool. En tout cas, j'ai participé à leur jeu, ça m'a bien fait rire. C'est cool. Arigato. I'm so sorry for my soul.